Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, à l'émission Rencontre, j'ai le plaisir de recevoir M. Roger Duchesneau. On tient une émission particulière cette semaine parce que c'est la semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Et M. Duchesneau, vous êtes président de l'ACIS. Oui, l'ACIS. L'ACIS, qui est l'Association québécoise pour l'intégration sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Donc, j'imagine qu'il y a une bonne raison pour vous retrouver là. C'est parce que vous êtes le papa vous-même d'une grande fille qui est atteinte de déficience intellectuelle. Oui, 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 une belle grande fille, une jeune dame de 28 ans. Oui. Dites-moi, vous êtes papa de Célia, 28 ans, qui vit avec une déficience. Dites-moi, là, quand Célia est venue au monde, est-ce que... il y avait quelque chose de particulier ou pas vraiment? Non, il n'y avait pas rien de particulier. Ils n'ont jamais pu déterminer d'où ça peut venir. Là. C'est certain que quand j'ai assisté à l'accouchement, elle avait le cordon autour du cou, mais elle n'était pas bleue, rien, il n'y avait pas rien de particulier. Son Apgar, ouais, c'est ça, était parfait. Fait que, il n'y avait pas de problème. Là. Il n'y a rien qui vous laissait présager? Non. Que votre vie allait prendre ce tournant-là. Non, le bonheur total. Oui, la belle petite famille parfaite. Ben oui. Et vous me disiez tout à l'heure que Célia avait commencé à avoir des... Ben, que ça avait été quand même un bébé avec des problèmes, quelques problèmes de santé. Un petit peu, oui. Oui, jusqu'à un an, mais que c'est vers l'âge de 2 ans que vous avez commencé à réaliser qu'elle plus avait... sérieusement. Là, avant ça, on avait des doutes. Là. C'est certain que quand tu arrives à un an et elle ne marche pas encore, c'était un peu inquiétant. Puis là, ben on avait beau aller voir le médecin, là, puis c'est possible qu'il y ait du retard, mais là, tu sais, le temps avance, là, puis il se passe rien. Fait que c'est vraiment rendu à l'âge d'une vingtaine de mois, là, à commencer à marcher à peu près à cet âge-là. Okay, fait que ouais. C'est là que puis elle parlait pas. Non, elle ne disait pas un mot. Non, mais c'est ça. Elle parle toujours pas, Célia. C'est pas une... Elle a appris deux mots. Ah! Les deux plus importants. Oui, c'est papa puis maman. C'est merveilleux, ça. C'est les deux mots qu'elle a appris. Sauf qu'aujourd'hui, elle parle avec le langage des signes. Donc, elle a un moyen de communication. Oui, mais elle se l'est adaptée. Elle utilise la gestuelle puis des signes qu'elle a appris. Là. Exemple, on va dire que le signe pour dire c'est fini, hein, c'est comme ça. Mais elle, ça l'est adapté comme ça. Mais les gens comprennent. C'est ça qui est important. Elle a l'air d'avoir toute une personnalité. Depuis tout à l'heure qu'on se parle un petit peu de Célia, elle a l'air d'avoir une personnalité bien à elle. Oui, c'est une personne entière. Là. Oui. Une personne, elle a ses qualités. Elle a ses défauts comme toutes les autres personnes, comme nous autres, là, mais elle a plein de belles qualités. Bien entendu, on s'est parlé avant d'enregistrer l'émission et je vous ai demandé... dans le domaine de la déficience intellectuelle, avez-vous des fois l'impression de vous battre contre des moulins à vent? Bien, depuis qu'on est rentré dans le système, ça a été des batailles. Chaque petit gain a été précédé d'une bataille pour réussir à obtenir un petit gain. Là. Obtenir des services, c'est très difficile. Tiens, l'exemple le plus concret, présentement, on attend pour... Célia a besoin de voir un psychologue. Ben on a supposé, puis on a compris ça avec son intervenant puis sa travailleuse sociale. Selon certains comportements qu'elle a, elle ne veut pas aller à l'école parce qu'il y a une personne qui est déjà arrivée quelque chose il y a très longtemps, puis elle a le fixe là-dessus. Ah. Puis ça peut se traiter. Mais la demande est faite depuis l'été dernier, puis je ne sais pas, ça va peut-être aller l'année prochaine. Faut insister, mais les services sont très difficiles à obtenir. Donc, fait que c'était encore une bataille. C'était de même toute sa vie. Mais oui, parce que là, il faut quand même qu'elle aille au centre de jour, à l'école. À l'école, il faut qu'elle oui. y aille, mais à tous les matins. C'est des stratégies. C'est des stratégies tout le temps pour y aller. Qu'elle puisse embarquer dans l'autobus et se rendre à l'école parce qu'elle a une fixation sur quelque chose. C'est ça. Et on est toujours en attente d'un service pour régler le problème. Exactement. Et puis, c'est comme ça depuis qu'elle est au monde. Bien, pour les services, oui. Oui. C'est ça. Donc, mais, c'est une vie de bataille c'est ça. Sans compter. Vous êtes président, donc, de l'Association québécoise pour l'intégration sociale. Vous me disiez que c'est une fédération. Oui, c'est une fédération nationale québécoise qui regroupe au-delà de 80 organismes communautaires qui ont pour mission la défense
des droits pour la promotion des intérêts des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. C'est certain qu'au départ, c'était uniquement ça. L'ACIS, c'est un organisme qui a été fondé en 1952. Fait que ça, une couple d'années. Ça fait déjà quelques années. On a fêté les 65 ans l'an dernier. Il y avait juste la déficience intellectuelle qui était reconnue à ce moment-là. Fait que c'était ça. Mais aujourd'hui, nos organismes, la plupart, y compris celle dont je suis membre ici, Renaissance, est un organisme qui prend soin aussi des personnes autistes. Ceux qui ont maintenant, ils appellent ça le TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Fait qu'on a une clientèle qui est comme ça aussi. Mais ils ont toujours, pour être membre de la CIS, il faut que tu aies comme mission la défense des droits, la promotion des intérêts des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et en tant que président, vous me disiez tout à l'heure que vous avez vraiment l'occasion là, de parler. Vous m'avez dit que vous aviez rencontré le ministre Blais dernièrement. C'est quoi les enjeux principaux? Là? Qu'est-ce que cette année-là? Présentement, c'est le maintien d'emploi, la possibilité des gens qui est. Les personnes, tout handicap confondu, parce qu'on fait des associations avec d'autres regroupements pour la déficience physique, la santé mentale et naturellement la déficience intellectuelle, pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour que ces gens-là puissent travailler, parce que c'est des gens qui ont des capacités, puis il n'y en a pas beaucoup sur le marché du travail. Fait que c'est ça. Puis là, les enjeux, tu vois, quand on a rencontré le ministre Blais, lui, son enjeu, c'est que présentement, là, au rythme où c'est que ça va, il manque de personnel partout. Hein? Il manque d'employés, des travailleurs. Puis là, c'est une main-d'œuvre qui est disponible, qui est prête, disponible et capable. D'ailleurs, la CIS, on est membre d'une association canadienne, l'Association canadienne pour l'intégration communautaire, qui ont parti un programme qui s'appelle Prêt, disponible et capable. C'est ça. Prêt, disponible et capable. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Puis c'est du démarchage qui se fait auprès d'entreprises pour démontrer que ces personnes-là, c'est une force de travail. C'est une force de travail. Puis non seulement ça, c'est des gens qui vont être fidèles à ton entreprise. Puis ces gens-là, ils veulent travailler, fait que ça ne s'absente pas. Ils sont fidèles. Puis, ça a de la niaise à dire, mais même s'ils ont des difficultés, ils ont des limitations. Eux autres, si tu leur montres un travail à le faire d'une certaine façon, ils changeront pas, donc ça devient comme... La limitation devient comme une force. Si tu veux, oui. C'est ça. Est-ce que c'est lié à travail? Non, c'est lié à travail pas. C'est présentement, dans son plan d'intervention au centre d'activité de jour, du CIS, c'est dans son plan d'intervention de la préparer pour peut-être pouvoir tenter des plateaux de travail un moment donné, là, mais on ne peut pas fixer ça dans le temps. Là. Non, parce que vous me disiez que votre fille, elle est encore en apprentissage. Il y a beaucoup de choses qui sont encore en cours pour lui montrer, dans le fond, pour atteindre un plus haut niveau d'autonomie. C'est ça. Puis, oui, c'est ça, que ce soit sur l'hygiène corporelle ou ses relations avec la communauté, c'est assez bon, mais pour développer de la persévérance. Quand plus ça va, plus mieux c'est. Là, présentement, sur des chaînes de travail, comme là, ils font toutes sortes d'activités, comme préparer des éprouvettes, mettre des ustensiles dans des sachets. C'est des affaires qui ont l'air banales, mais c'est des choses qui sont bien utiles puis qui sont capables de faire. Fait que ça prépare, ils se préparent comme ça pour peut-être à un moment donné faire des plateaux de travail, aller travailler comme chez Walmart ou dans une autre entreprise là, qui va lui permettre à un moment donné de développer une capacité, puis démontrer qu'ils sont capables de faire les choses, puis qu'ils sont prêts, disponibles et capables. Alors à ce moment-là, ça peut intéresser des employeurs. D'ailleurs, ce programme-là, c'est vraiment du démarchage auprès des employeurs qui veut aller plus loin que ça, que le coaching se fasse d'entreprise à entreprise pour démontrer... Et pour favoriser l'intégration sociale, donc des personnes ayant une déficience intellectuelle. Exactement. Vous me disiez tout à l'heure que votre implication, dans le fond, là, dans le milieu communautaire, dans le milieu des organismes, ça datait des années quand Célia avait environ 10 ans. Vous avez commencé à vous impliquer au niveau du...
du milieu scolaire. Donc, elle Oui, a oui. fréquenté à Tête Vermette la petite école, le programme, le CM, le CDM CDM, classe AD, à la classe AD, classe. c'est ça, à l'école Saint-Louis. Oui. C'était, ben, de toute façon, c'est l'école qu'il y a pour la région. La classe, en fait, puisqu'il en était deux, mais en tout cas, on Oui. appelait ça classe, CDM, c'est classe à développement maximal. Fait que c'est comme un service intensif pour ces personnes-là, Et là, elle a fait son primaire à l'école Saint-Louis, puis là. Oui. ensuite, elle a été au niveau du secondaire, toujours dans le même programme. Mais vous me disiez que, C'est des batailles, par-dessus oui, batailles. parce que même au début, on n'intégrait pas les élèves du primaire et les élèves du CDM n'étaient jamais en contact. Non, au début, non. Ça s'est développé. Puis ils se sont rendus compte que il y avait comme une crainte là, que les gens y perdent. Mais la relation est très bonne, moi, dans le cas de ce que j'ai constaté là. Puis même rendu au secondaire. Il y a une très bonne relation entre ces personnes-là et les gens du régulier, si on peut dire, là. Mais ça a été encore une bataille. En tout cas, c'est toujours des impressions qu'on a, mais c'est comme si les enseignants qui amenaient les gens au secondaire, ils voulaient choisir ceux qu'ils veulent. Tu sais, ça donnait cette impression-là. Puis à un moment donné, il a fallu se battre parce que ça a développé chez Célia des problèmes de comportement. Parce qu'elle voyait tous ses amis de son âge s'en aller. Fait que là, elle s'est ramassée à un moment donné, toujours au primaire, avec un paquet de monde qui a la moitié de sa grandeur. Fait C'était la plus que vieille de ça. sa classe, mais il l'avait toujours pas transférée au Non, il niveau voulait passer secondaire. ça. Fait qu'à un moment donné, il a fallu se servir de la loi. La loi qui exige qu'à l'âge de 13 ans, tu n'as pas le choix, tu es obligé de prendre les personnes du primaire et les envoyer au secondaire. En tout cas, de toute façon, c'est d'autres choses, là, mais. Puis là, elle continue à développer. Au niveau du secondaire, au niveau de la polyvalente de Black Lake. Et puis par la suite, elle a été intégrée, vous m'avez dit, à l'Escale. Oui, suite à ça, c'était une autre chose, encore Une là. autre bataille. Une autre bataille, il ne voulait pas apprendre. Puis là, fallu, à force de travail, puis grâce à un programme des prêts-bourses, du soutien aux études, qui ont un volet pour les besoins particuliers. Célia a pu être intégrée à l'escale avec quelqu'un qui l'accompagnait en tout temps à l'école. Puis aujourd'hui, ça a été. A plus besoin. Cette personne-là ne l'accompagne plus. Il va tout seul, puis tout va bien. Et puis, elle est aussi au centre de jour du CRDI, deux jours, comme on dit, deux Oui, jours à c'est ça. l'escale, deux jours au C'est ça. CRDI. Ça va avec ce qu'on parlait tout à l'heure, là, t'sais, pour qu'elle a encore des choses à développer pour son autonomie. Ben, c'est pour ça qu'elle va au centre d'activité de jour, là, 2 jours semaine. Puis ça va assez bien, là. Mais Elle a une vie bien occupée. Oui. Oui, puis je vais dire, comme on dit, c'est une chance, ça nous permet de vivre un peu. Parce que justement, tu sais, on a eu une bonne conversation avant d'enregistrer l'émission, puis vous me disiez que Ruth, Oui. votre conjointe, a tout abandonné. Elle était facteur, Oui. factrice. Factrice. Elle a tout abandonné son travail quand Célia était très jeune pour s'occuper de Célia. Oui. Et c'est papa qui a continué à travailler. C'est ça. Comment ça a été cette vie de famille? Vous êtes chanceux, t'sais, on dit souvent qu'il y a beaucoup de couples qui, face au handicap d'un enfant, vont vivre une séparation parce que c'est toujours des batailles, c'est très complexe, c'est toujours très frustrant aussi. Comment vous avez vécu ça, vous, les 28 dernières années? Ben, disons que ça a fait un peu l'effet contraire. Nous autres, ça a comme renforcé notre union. Je sais pas. Il me semble que c'est devenu plus fort. Puis là, on s'est donné la main, puis on s'est dit on va travailler pour Seigneur. Puis C'est devenu on votre n'a projet pas. de vie? Si tu veux, oui. Ça fait partie de notre vie. La vie est comme ça. Puis il n'y a pas de. De toute façon, quand un enfant comme ça vient au monde, il n'y a pas de guide, là. Il n'y a pas de guide avec aucun enfant de toute Exact, façon, hein? exact. Fait que c'est ça. Fait que là, c'était ça. Fait qu'on fait avec. On voulait avoir un enfant, on l'a eu, puis on s'en occupe. Mais moi, je vous ai déjà vu en famille à l'extérieur, puis je trouve que vous avez l'air d'une famille très heureuse. C'est Ben, formidable. tu tombes pas. Non, je ne me trompe pas. Bon, ben, Tu tombes tant pas, mieux, ça va bien. j'ai bien lu la situation. Donc, c'est Roger qui a travaillé, qui s'est impliqué un petit peu plus. Ruth est vraiment restée à la maison pour s'occuper de,
de votre grande fille. Et Ruth a une grande sœur aussi qui était là en même Célia temps. A une grande sœur, oui, qui est au début, puis maintenant c'est une fille qui demeure, ben, une femme qui demeure à Montréal. Là. Oui. Ouais, c'est la grande sœur de Célia. C'est la grande sœur de Célia. Donc, c'est toute une dynamique familiale. Une grande sœur qui doit vivre avec une petite sœur qui est très demandante et tout. Ça n'a pas dû être toujours évident. Non, pas toujours. Mais de toute façon, Célia a tellement d'admiration puis d'amour pour sa grande sœur qu'elle ne peut pas faire autrement que lui rendre. Et donc, on a commencé à s'impliquer au niveau scolaire. Et par la suite, donc Ruta était à la maison, par la suite, vous vous êtes impliqué au niveau du CRDI aussi, au niveau du conseil d'administration du CRDI. Puis là, c'est un peu plus depuis les années, là, je vous dirais 2008-2010, là, que ça a commencé à, C'est devenu beaucoup de mandats parce que c'était tout en même temps. Là. Comité de parents, conseil d'établissement, le conseil scolaire, voyons comment est-ce qu'on appelle ça dans les commissaires scolaires. Le conseil des commissaires. C'est ça. Puis le CRDI. Après ça, ben j'ai eu l'opportunité de postuler comme candidat au conseil d'administration de la CIS. Fait que là, à un moment donné, c'est devenu comme un peu beaucoup. Puis là, ben Célia, quand elle a atteint 21 ans, ben là, le côté scolaire. Oui, a tombé. C'est ça, il n'y a plus d'école à partir de 21 ans pour eux. Oui, c'est ça, ça a donné un peu de lousse. Puis l'avènement des CIS au lieu des CRDI, là, quand ça a changé pour les centres intégrés de santé et services sociaux, bien là, les conseils d'administration sont tombés, fait que là, ça m'a libéré. Fait que là, je me suis consacré beaucoup plus à la CIS. Pour la défense des droits et la promotion des intérêts. Parce que moi, j'ai eu ouï dire que vous êtes un retraité, président de la CIS, et chauffeur d'autobus pour le transport adapté, et papa qui est très, très impliqué aussi dans la vie de sa fille. Ben oui, on est Alors, les journées sont longues, là, j'imagine. Hein? Elles sont pas longues, elles sont pleines. Les réunions de la CIS, c'est à Montréal, c'est à Québec. C'est partout au Québec, ça. Oui, c'est ça. Fait que ça arrive, on prend nos dispositions, on s'organise. Puis des fois, ça nous permet de... exemple, si c'est à Montréal, ben de toute façon, faut coucher à l'hôtel. Fait qu'à ce moment-là... Ruth m'accompagne avec Célia, puis ça permet d'avoir une petite visite pour sa grande sœur, aller voir sa grande sœur. Ça permet des choses comme ça. Ruth et moi, on est originaire de la région de Québec. Ma famille est toute là. Fait que quand c'est à Québec, c'est encore la même chose. On fait ça. Ou sinon, bien, puis il y a des fins de semaine, on utilise les services de répit parce que Renaissance offre des services pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, on parle de l'association Renaissance qui est située sur la rue Saint-Joseph à Thetford Mines, qui est un organisme important dans la région. Là. Oui, oui, pour la déficience intellectuelle, effectivement. C'est un organisme important qui offre des services à ces personnes-là, des activités. Celui-là, ça fait presque à sa naissance, mais non, mettons, à l'âge de 5 ans, elle a commencé à fréquenter l'association Renaissance par des samedis d'activité qui nous permettaient, nous autres, d'avoir du répit. Parce que Renaissance prend soin des personnes, mais aussi des familles, encadre aussi les familles, avoir offert du soutien aux familles, que ce soit pour aller à l'école dans des plans d'intervention ou des plans d'intervention d'un centre d'activité de jour, pour le CRDI. L'association Renaissance offre ce service-là aux parents pour accompagner. Puis ils ont aussi ils offrent les services de répit hébergement. Oui, donc vous pouvez avoir parfois un petit week-end où est-ce Exactement. Que Célia. Et Célia est très heureuse, vous me disiez ça, qu'elle allait voir ses amis. Oui, ça va très bien. C'est certain qu'il y a eu des petites années croches à certains moments donnés. Mais là, des chicanes de filles, hein? Ça arrive tout le temps, ça. Oui, c'est pas nécessairement des chicanes de filles, mais en tout cas, de toute façon, aujourd'hui, ça va bien, puis ça nous permet. Puis là, ben c'est ça, on alterne ça. On utilise les services approximativement une fois par deux mois. Un mois, on prend un week-end pour nous autres, puis l'autre mois, ben Célia nous accompagne. Le week-end va être consacré plus orienté vers Célia. Célia. On parlait tout à l'heure de... Puis vous êtes vraiment très conscient des enjeux qui entourent la déficience intellectuelle, pas juste dans notre région,
mais vraiment dans l'ensemble de la province. Puis on s'est entendu, on a dit on va essayer de faire un petit tour-retour là-dessus là, à la fin de l'émission parce que on en a plusieurs. Oui, mais on va y aller quelques-uns. Là. Ouais. Localement, moi, ce que, en tout cas, personnellement, moi, le dossier qui me touche le plus, là, c'est les gens qui vivent en ressources. Puis que, quand on parle de vivre en ressources, c'est, ça veut dire c'est en ressources intermédiaires ou dans des ressources de type familial, des gens qui ne vivent pas dans, qui vivent pas dans leur famille, dans leur famille naturelle. Dans leur famille. Okay. Non, c'est ça. Ni plus ni moins, c'est comme des gens qui sont placés parce qu'il y a des familles qui sont pas capables, qui n'ont plus la capacité de garder leur personne. Alors, souvent, sont hébergés de cette façon-là. Ces personnes-là, souvent, le seul opportunité de sortir de la maison, c'est d'aller dans un centre d'activité de jour ou encore d'aller à l'école. Puis là, bien, à un moment donné, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à un moment donné, tu as des gens qui, ça faisait des années et des années qu'ils recevaient des services, ça leur permettait de maintenir leurs acquis, ça leur permettait de sortir de la maison, de rencontrer du monde, de faire du social. Puis là, tout d'un coup, là, ben, quand on en vient aux épisodes de service, tu rencontres tous tes objectifs de ton plan d'intervention. Alors, tu n'as plus d'affaires ici, tu reviendras quand tu auras un autre problème. Bien, c'est ça. On dirait que ça prend absolument un trouble de comportement pour réussir à obtenir des services maintenant pour ces personnes-là. Puis de sortir de chez eux. Fait que ça, c'est un dossier qui me tient vraiment à cœur. Parce que je suis à même de le constater. Comme chauffeur d'autobus ou transport adapté, ça me permet de voir même que comment ça se passe dans les résidences, comment ça se passe dans les centres d'activité de jour, puis d'avoir des contacts un peu partout. Tu regardes dans la région, là, ils ont fermé un centre d'activité. Tu sais, ça regarde drôle. Ils nous disent tout le temps que c'est pas le but, là, puis c'est pas la raison. Ils ont fermé un centre d'activité de jour à Black Lake, là. Puis, il y en avait trois. Fait que quand tu tombes avec deux, il y a des bonnes chances qu'il manque de place. Hein? Ben oui. Bon, ben regarde. Puis là, ben, comme par hasard, dans la même période, on renvoie plein de gens chez eux. Puis, je vais faire un drôle de lien. L'Association Renaissance, ils ont des ententes de service avec les six pour, dans le programme, naturellement, déficience intellectuelle, déficience physique, puis troubles envahissants du spectre de l'autisme. Ils ont des ententes de service pour transférer des personnes qui sont dans les centres d'activité de jour, des six, vers le communautaire. Fait que moi, j'avais l'impression que c'est le fun, ça, qu'il y ait une entente de service. Les gens qui ont été retournés chez eux, bien, ils vont peut-être avoir la possibilité de sortir. Mais là, non. On s'est dit qu'en faisant une entente de service, c'est pour dégager. Bon, en tout cas, moi, je sens ça comme un gros désengagement de l'État qui se libère puis envoie ça à moindre coût dans les services communautaires. Merci, bonsoir. En tout cas, excuse-moi, là, mais il fallait que je le dise. Ça me tient à cœur, j'ai vraiment l'impression là, que l'État se désengage des services offerts aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. C'est ça. C'est vraiment un désengagement. Fait que, au niveau de la CIS, c'est présentement ce qu'on travaille le plus, à essayer de faire que l'État fasse un réinvestissement en déficience intellectuelle pour ramener des services. Parce que là, présentement, quand tu demandes des services, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Tu as un enfant naissant là, qui a, exemple, une trisomie. Bien là, tu vas t'adresser pour avoir des services parce que l'intervention précoce est très importante. Oui. Alors, tu vas demander des services, mais tu peux attendre jusqu'à 2 ans. Donc, on viendra. Puis même souvent, pour avoir, ils vont te demander un diagnostic. Puis avant d'avoir le diagnostic, ça prend encore du temps. Fait que les services ne viennent pas à bout d'aboutir. Fait que, puis là, ben, quand t'en as, ben, c'est au compte-gouttes. Fait que c'est ça. Fait qu'on demande qu'il y ait un réinvestissement à ce niveau-là. Puis les personnes, quand ils atteignent l'âge de 21 ans, ils ont fini le parcours scolaire, parce que le parcours scolaire... Ça termine à 21 ans. Oui, c'est ça. Et là, il y a très peu de ressources pour accueillir les personnes. Il n'y a rien, sauf si jamais ils ont l'opportunité d'être acceptés au centre d'éducation pour adultes ou d'un centre d'activité de jour. Sinon, il n'y a rien. Puis là, ben, de moins en moins. Mais d'un centre, j'ai vu même dans un CIS à Montréal, ils ont écrit
à toute leur clientèle, puis la retraite obligatoire à 25 ans, quand, pas à 25 ans, à 55 ans, quand tu vas dans les centres d'activité de jour, des choses qui n'ont pas de bon sens. Fait qu'on se bat contre ça. Fait qu'on espère qu'on ne se bat pas juste contre des moulins à vent, là. On va réussir à faire des rencontres. Mais en tout cas, comme je te dis, moi, celui qui me tient le plus à cœur, c'est les gens qui n'ont pas l'opportunité de sortir de chez eux, ou si peu, puis on les enlève. Que je rencontre, j'ai rencontré Mme Charlebois, là, il y a un bon bout de temps, mais ça fait rien. C'est une affaire que je lui ai parlé. Je rencontre des gens de leur ministère, je parle la même chose. Fait que pour moi, c'est un enjeu. Parce que là, je dis c'est local. C'est un enjeu majeur. C'est majeur. C'est local, mais c'est ailleurs aussi. Bien, écoutez, on en prendrait plus longtemps. Monsieur Roger Duchesneau, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir qu'on parle de ce sujet-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux, d'autres enjeux et d'autres avenues qui mériteraient d'être explorées. C'est la semaine québécoise de la déficience intellectuelle cette semaine, donc on va vous souhaiter un bon succès dans vos démarches pour faire reconnaître les droits et pour intégrer l'intégration sociale des personnes handicapées intellectuelles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous dis à la semaine prochaine et on vous reviendra avec une autre rencontre.